va faire notre vote à l'évovot, mais Bezrat Hashem, on est. On avait parlé la semaine dernière de l'importance de la tchouva. D'accord, vous rappelez, mesdames, l'importance de la tchouva. Et on va dire combien même nous avons enfreint et nous sommes allés contre la parole de Kadosh Baruch Hu. Et on a coupé son alliance, on s'est séparé de son alliance. Mais on a dit qu'il y a toujours ce retour possible, extrêmement puissant, extrêmement fort, qui pardonne et qui vient remettre tout en place. Comme c'est marqué au Béchoub, rachat. Et le retour d'un rachat, mirichato, de son mal, de son péché, ve'asa mishpat uzdaka alehem uirye, alors il sera toujours appelé vivant. Quand on dit vivant, c'est vivant, savoir son lamaba. Donc il suffit qu'un homme fasse tshuva, il reprend la justice, il reprend le droit chemin, qu'il se remet en question et qu'il s'arrange, et bien Kadosh Baruch Hu l'appelle vivant. Extraordinaire. D'accord, donc c'est extraordinaire la tshuva, c'est une clé formidable pour nous. Tout ce qu'on peut faire, mais il ne faut pas attendre. Parce que plus on l'attend, plus on croit qu'on dit bon, j'ai le temps, on ne peut pas savoir quand ça arrive. Donc il faut mieux faire tshuva à chaque moment, à chaque instant. Alors on continue justement. Et Vegam la tzadikim, nous dit le Chavot. Vegam la tzadikim, la tshuva y echerit. Même pour les tzadikim, la tshuva est obligatoire. Donc ce n'est pas fait pour des bandits. C'est même pour des tzadikim qui, entre guillemets, n'ont rien à se reprocher. Sha'arei yeshnam shnei min tzadikim. Car il y a deux sortes de tzadikim. Ka'ele shelo asuchet ve'avel mimem. Effectivement, il y a des tzadikim qui n'ont jamais rien fait. Ils n'ont pas fait de péché. Ou ka'ele sheken hatu ela shechazru b'tshuva. Et il y a ceux qui ont fait des erreurs et qui aujourd'hui sont appelés des tzadikim parce qu'ils ont regretté leur péché. Mais là, c'est pas seulement ça. Et la chérob à tzadikim et baal et tchouva, parce que la majorité des tzadikim sont aussi des baal et tchouva, des gens qui ont fait une tchouva. Pour réaïa l'écart, et la preuve à cela, nous dit le chobot à l'ébavod rabbenu Bechaye, charé chez Iskir David à Meler et chne asugim à la loue chez le tzadikim, car David à Meler a rappelé ces deux niveaux de tzadikim, ceux qui n'ont jamais rien fait, okay, aucune erreur. Et ceux qui ont fait, mais qui ont fait tchouva. Afalpi, Sheaya, Lo, Le, Askir, Trila, et Tatsadikim, Shelo, Khatoumimehem. Bien qu'il aurait dû, dans ses livres, David Ameler, parler de ceux qui n'ont jamais rien fait, c'est ça le tzadik. Share, Kol, Bal, Tchouva, Sheaya, Tzadik, Lifner, Sherata. Parce qu'un Bal, Tchouva, avant qu'il faute, il était tzadik. S'il n'a pas fauté, il est tzadik. D'accord ? Donc un Baal Tshuva, il était tzadik avant qu'il soit Baal Tshuva. Puisqu'il n'a pas fait de faute. Velo, kol tzadik ou Baal Tshuva, mais pas tout tzadik, il est Baal Tshuva. D'accord, donc il n'y a pas tous les tzadikim qui ne sont pas appelés des Baal Tshuva. Mais les Baal Tshuva sont tous appelés des tzadikim. C'est ça qui est différent. Parce qu'un Baal Tshuva, dès qu'il fait Tshuva, il est appelé tzadik. D'accord. Mais pas tous les tzadikim sont appelés Baal Tshuva. Je dis en bas. Mais qui va en chien, Adam, Yachol, Yod, Baal Tshuva. Et là, imken aya kodem tzadik. Avala adam yachol yot tzadik gam bli liot bal tshuva. Donc un homme, il peut être tzadik sans être bal tshuva. Lachen a tzadik kodem bateva. Donc c'est pour ça que le tzadik, il est avant dans la nature des choses. Avant les bal tshuva. Ki adavar shiribru tzarich lo, shichavero tzarich lo, veu eno tzarich lechavero. Parce que lui, il n'a pas besoin de personne et l'autre, il a besoin de ça. Nikra Kodem Ateva, c'est pour ça qu'il a avant son ami, le tzadik. Qui me voit là, bon, ok, d'accord. On continue. Bechol Zot, combien même, Iskir et Balé à Tchouva Trila, il a commencé par les Balé Tchouva, David Ameler. Ve'amar dans le Teilim la Medbet, Ashre Nesoui Pesha, Kisoui Hata. Heureux Nesoui Pesha, Kisoui Hata. Qu'aujourd'hui, c'est le péché est couvert. Ok. Mais après seulement, il parle des tzadikim qui n'ont jamais péché. Et là, il leur dit dans le pasuk Lamed Bet également, dans le Télim Lamed Bet, Ashrei Adam lo yachshov Adonai lo avon. Heureux cet homme qui n'a pas de compte dans le péché avec Dieu. Donc, il n'a pas de péché. Mais la maïskir David Ameler et Balit Shuvatri. Pourquoi Dieu, d'abord, il a rappelé l'homme qui a fait le péché, mais qui maintenant est complètement nettoyé.
avant de parler de celui-là qui n'a pas de compte avec Dieu dans aucun péché. Pourquoi? Parce que les tzadikim sont quelque part tous des balais de choua. Mais ceux qui n'ont vraiment jamais péché, ils ne sont pas dans toutes les générations. Il y en a peu. Comme il est dit dans Teilim Kouflamed, Mimavonot Tishmoria Adonai Miyamod. Veneemar, qui Adam en Sadik Baret Asher Yasetov Velo Yeheta. Il n'y a pas un Sadik sur terre qui n'a pas fait un péché. Veneemar en Adam Asher Lo Yeheta. Il n'y a pas un homme dans Melachim, là-bas c'est marqué dans Melachim, qui en Adam Asher Lo Yeheta. Donc il y a plus de Sadikim en état de Tchouba, car il y a toujours des erreurs, qu'un tzadikim qui n'a fait aucune erreur. Ça, c'est des livres qui n'ont jamais été, ils ont été choisis par Dieu et qui ne sont pas dans toutes les générations. On les connaît quand même. Hein? On les connaît. Ça, je ne sais pas. C'est pas peu. Ceux qui n'ont jamais fait, qui n'ont pas de rien à se reprocher. C'est écrit, vous avez quelque part. Pourtant, on dit, il faut chez Balé Tchouba, les tzadikim mourir. Et l'oïronim la mode, ouais, parce que c'est plus grand. Où est-ce qu'on se situe? Une bonne question, non? Il faut voir la majorité. Si notre majorité, c'est des. Si notre majorité, c'est des mitzvot, des bonnes actions, d'accord? Alors la majorité de notre vie, c'est ça. Alors on est appelé tzadik aussi. Mais tzadik bal tshuva, parce qu'on a des erreurs. D'accord? On ne va pas dire qu'on est des tzadik sans aucun péché. Non, on n'a pas demandé ça. D'accord? Les Baal et Tchouba sont appelés tzadik après, il faut qu'ils l'ont fait Tchouba. Mais comme les convertis, par exemple, Bélier Barnes. Oui, alors. Alors, lui aussi, c'est un Baal et Tchouba, non? Oui, non, ses parents, ils étaient convertis. Mais lui, il est né juif. Ils sont convertis, ses parents. Même si c'est même pas ses parents, c'est ses grands-parents. Ah, ouais. Ah, bien qu'il va, c'est des parents convertis. Ah, voilà, lui. Alors, lui, c'est devenu tzadik. Mais c'est vrai que c'est un tzadik Baal Tchouba, parce qu'avant, il n'était pas religieux. Voilà, il est devenu tzadik. Alors, il est devenu tzadik. Voilà, Baal Tchouba, tzadik. D'accord. Ah, pas une bonne, c'est une extrême. Un géant. Encore au Mikiban, c'est un Tchouba. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a dû dire. Donc, la Tchouba, elle est hérite, les Alaem. Les Koulam, elle est hérite, elle est obligatoire, elle est indispensable à nous tous, la Tchouba. Que ce soit même le tzadik. Donc, celui qui a dit qu'il n'a aucune erreur, c'est un sur des millions. Donc, c'est une fois de temps en temps, ça arrive un qui vient comme ça, Neshama Hadasha ou Neshama spécial, qui ne fait pas de péché. Mais bon, c'est très peu de générations. Mais la majorité sont tous des tzadiks d'un degré, d'un niveau d'une erreur, qui fait qu'il doit faire tshuva aussi, et qu'après, il sera encore appelé tzadik, bien sûr. D'accord? Donc, la tshuva, elle est obligatoire pour tout le monde. Elle est indispensable pour tout le monde. Tzadik, c'est rachat, tout ce que tu veux. Tout le monde doit passer par là, par la tshuva. La reine, il faut faire sur les jours. C'est pour ça qu'avant tout, dans nos prières, dans la Amida, vous verrez que le sujet de la tshuva, il est avant le sujet de la slicha. Tfila à la tshuva, ve à slicha, be birkat hashivenu avinu le toratecha. Ou be birkat selach lanu avinu kichatanu. D'accord? D'abord, c'est la tshuva. Comment c'est marqué dans le Sidour? Hein? Comment c'est marqué, rappelez-vous? Alors, d'abord, il y a marqué Ashivenu Avinu Toratecha, Vekarvenu Makinu Lavodatecha, Vekarvenu Bichouba, Shilema Lefanecha, Baruch Atashem, Rotse Bichouba. Et après, c'est là, la nous. Ça aurait dû être le contraire. Pardonne-nous, voilà ce qu'on a fait Tchouba. Là, on dit d'abord Tchouba, et après, on parle du péché qui nous pardonne. Pourquoi? Parce que là, ce qui veut dire, que là, pour nous dire, que la tshuva, elle est avant tout. Pas en rapport avec le péché seulement. Parce que même si le type, il est tzadik, il doit faire tshuva. Donc la tshuva, elle est la clé, elle précède toute autre chose. Donc c'est pour ça qu'on a fait passer la tshuva, ici, dans les textes de la Amida, avant même du sujet du pardon du péché. Déjà, tshuva avant tout, il faut savoir. C'est vrai, c'est logique. Ou même birkat, c'est l'arlanou, avinou, le khatanou. C'est logique. Puisqu'il faut faire tshuva, pardonner. Mais d'abord, on aurait dû dire nos péchés, et après, pardonner. Non, mais c'est l'art, non, c'est pardonner.
Okay, pardonne-nous. Oui, alors. Il ne pardonne qu'une fois qu'on l'observe. Okay, mais pour dire que c'est oui, on aurait bien. Pu dire pardonne-nous, on va faire pour Chouva. Ah ouais, non, mais voilà. C'est une condition, ça. Il faut vous donner à voir. Alors on termine. Alors maintenant on va voir le tochen du chapitre qu'on va donc aborder. C'était seulement, c'était la ptira, ce qu'on vient de faire, c'était vraiment l'introduction du chapitre de la tchouva qu'on va donc aborder les semaines à venir. Et là on va voir seulement le sommaire, on va dire, on va appeler ça comme ça, des prakim, des sujets, des chapitres qu'on va aborder. Toute la porte qui s'appelle la porte de la tchouva. D'accord. Donc là, je lis seulement le sommaire de ce qu'on va parler. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Alors, ve'alenu levaer ata minyanei hatshuva asara dvarim. Dix sujets vont être dits au sujet de la tchouva. D'accord. Donc on va aborder 10 sujets importants. Et avec ça, Bezrat Hashem, on pourra faire une vraie bonne tchouva. Shlema, parce que là, il va nous donner tous les niveaux, tout ce qu'il faut savoir sur ces sujets-là. Comme ça, on fait quelque chose de parfait. Et non de bancal. D'accord. Alors, première chose, Maïa Tchouva, qu'est-ce qu'on appelle la Tchouva? Là, il faut savoir, la définition de la Tchouva. Donc, on va définir la Tchouva bien dans le Pérec prochain, qu'on va donc aborder. Deuxième importance à savoir, deuxième chose importante, la Kamahalakimin, en combien de parties elle se subdivise? Est-ce que c'est un groupe, comme ça, c'est un seul, il faut faire ça, ou sinon rien du tout, ou bien ça peut se subdiviser en plusieurs approches? Gimel, qu'est-ce que l'homme doit savoir pour qu'il puisse revenir, donc faire tchouva? Qu'est-ce que tu dois savoir au préalable pour que ta tchouva soit acceptée, agréée, on peut t'appeler un bal tchouva? Il faut savoir des choses avant, il faut connaître des choses avant. Alors on va voir tous ces points-là. Maïkere tchouva, quels sont les principes fondamentaux de la tchouva? Il y a des principes de base qu'il ne faut pas oublier. Ma'em apratim shel kol echad mikar la tchouva. Quels sont les détails de ces fondements essentiels de la tchouva? Quels sont les détails? Donc on va détailler les fondements. Sixième sujet qu'il faudra aborder. Evedvarim et Orerim et Adam la tchouva. Quelles sont les choses qui réveillent à l'envie des retours, donc de la tchouva? Il y a des choses qui motivent la tchouva. Quelles sont ces choses-là? Eve septième chose, Eve dvarim me'agvim et tchouva. Quelles sont les choses qui empêchent et qui gênent donc la tchouva, ou bien ou me'abdim et torka, et fait perdre la valeur de la tchouva? Il nous fait perdre sa valeur et donc t'as pas envie. Quelles sont les choses qui empêchent la tchouva et qui gênent à accomplir cette chose-là? Huitième chose qu'il faut savoir. Est-ce que le bal tchouva devient égal à un tzadik qui n'a jamais fauté, comme on l'a dit, ou pas? C'est extraordinaire, ça. Est-ce qu'on va être comme ce tzadik qui n'a jamais fauté, qu'on a dit que c'est une fois de temps en temps, dans quelques générations? On a dit ça, bon, il y a deux sortes de tzadik. Donc, est-ce qu'on va être comparé comme un tzadik qui n'a jamais fauté, ou pas? Hein? Et neuvième chose, imefjar la chote l'arzor bitchouva mikol chet olo. Est-ce que le fauteur qui fait tchouva peut revenir sur tous les péchés ou pas tous les péchés? D'accord, ça aussi c'est important à savoir. Et dixième chose à savoir, quels sont les bons conseils qu'on va donner, nous dit le Chacham, pour quelqu'un qui a du mal à faire tchouva? Il y en a qui ont son... quels sont les bons conseils qu'on va donner? Voilà. On commence par les conseils. Pour nous encourager à faire tchouva. Ou Bezen et Sayem, il nous dit comme ça, Biur al Darke Atchouva, et avec ça on terminera. Et le dixième, c'est quoi? Ben c'est ça. Quelles sont les choses? Quels sont les conseils à prendre pour quelqu'un qui a du mal à faire tchouva? Il y a des conseils qui vont peut-être l'encourager à faire tchouva. D'accord? Un petit peu comme Guimel, on avait dit, quelles sont les choses qui donnent la possibilité de faire tchouva? On va voir ça tout de suite. On va voir après, la chaîne. Et avec ça, on terminera donc l'explication de Darke Hatshuva, du chemin de la Tshuva. Et notre obligation chez Matila Alenu, qui nous incombe, d'accord? Ça nous incombe, ça c'est quelque chose qu'on doit être appelé Bal Tshuva. Chez Al Yadam, que vis-à-vis de ça, nous mekavim le asik, qu'on espère d'arriver à cela, et tzlihat avonotenu, du pardon de nos péchés, Be'ezrat Hashem Yitbarach, que Dieu soit béni. Si on arrive à ça, on aura tout gagné.
qui nous pardonne nos péchés, qui pardonne totalement nos péchés, qu'on soit propre et pur devant Dieu. L'Ati de Lavo, amen, qu'elle ira ça. Alors d'accord, donc la semaine prochaine, moi je ne suis pas avec vous, d'accord? Vous êtes avec nous. Oui, je suis avec vous, non, je suis avec vous. Je suis avec vous, mais je ne serai pas là pour le cours, mais il y aura le cours toujours de Mme Guerrero. Et nous on se revoit, Bevrat Hashem, dimanche, non, partez loin. 21. Non, même avant. Moi, je viens dimanche. Excusez-moi. Dimanche 21. D'accord. Donc, dimanche 21, avec moi, on reprend les cours. Sûrement, il y aura l'Aïdoula avant, non? Oui, il va y avoir l'Aïdoula de Baba Salé. Bon, n'oubliez pas ce soir l'Aïdoula. On compte sur vous, mesdames. Dites à tout le monde, à vos amis, l'Aïloula de ce soir de Rambam, de Rabbi Yaakov Birsera, à 19h30, Bezrat Hashem. Envoyez à vos amis, envoyez à vos groupes, venez nombreux, il y aura un buffet, il y aura de la musique, Bezrat Hashem. On passe une bonne soirée ensemble. Voilà. Allez, à ce soir, si vous voulez.